Hey, salut tout le monde, c'est XLPoison74, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur GTA V, donc aujourd'hui c'est une petite vidéo particulière donc concernant pourquoi cette injustice sur YouTube, notamment au niveau des vues, des likes et des partages, etc. Donc il y a pas mal de gens qui en parlent, mais il n'y a personne qui réagisse, on va dire. Aujourd'hui, si on est mécontent, on va dire pour les droits on va dire pour nos droits, tout simplement, parce que on a le droit de s'exprimer librement. Donc moi, je me défends en tant que gamer. Donc allez, on va prendre un petit peu une voiture, histoire de changer des idées. Donc ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup d'injustices en ce moment sur YouTube. Et il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement, qui osent aller devant, je sais pas, le stand YouTube pour faire le holà. Enfin, faire le holà, pas dire aller casser tout casser, mais voilà, pour faire comprendre qu'on n'est pas des marionnettes, nous sommes pas on va dire, des gens qu'on prend comme ça et puis on les jette. Moi, je parle notamment pour les gens qui ont consacré toute leur vie en faisant des vidéos sur YouTube, sachant que YouTube, on va dire, c'est, même si l'image ne le dit pas, c'est quelque chose, c'est en quelque sorte c'est un intérim pour l'emploi qui recrute des gens, peu importe qui c'est, ils viennent travailler, ils viennent uploader leurs vidéos, etc. Après, il y a des vidéos qui, on va dire, qui sont pas acceptables. Moi, je suis d'accord de supprimer des vidéos. Mais au-delà de supprimer une chaîne qui a duré, sachant que sur YouTube, pour se faire connaître, pour certains, il faut 4, 5, 6, 7, 8 ans pour se faire connaître. Et du jour au lendemain, qu'il se fait connaître, on supprime la chaîne sans aucune raison. Moi, je ne suis pas d'accord. Et même supprimer la chaîne tout court, je ne suis pas d'accord parce que le nombre des matos qu'on achète déjà, que ce soit des caméras, des moyens pour améliorer les audios. Au final, on devient un producteur, un réalisateur, etc. Donc, on mérite minimum de respect de travail. Donc, le droit d'auteur, tout ça, moi, je suis d'accord. On dit, bah voilà, cette séquence, c'est pas à vous. Donc, vous avez pas le droit d'être payé. Vous avez pas le droit de recevoir quoi que ce soit, donc cette vidéo vous avez fait, c'est bien, mais vous avez aucun droit de là-dessus. Moi, je suis d'accord, mais au-delà d'être supprimé juste parce qu'il y a deux personnes ou trois personnes qui cliquent, voilà, qui signalent que voilà la vidéo n'est pas faite pour YouTube, moi je suis pas d'accord. Et le truc de signalement, moi je suis pas d'accord parce que si quelqu'un il signe pour YouTube, c'est pour ouvrir une entreprise déjà, Jadine. Et on va dire, il y a des gens qui fait YouTube pour nourrir leur famille. Mais bon, c'est pas mon cas. En tout cas, pour le moment, pour nourrir la famille, pour payer le loyer, etc. Donc nous, on a confiance entre guillemets sur les emplacements de YouTube, que ce soit les emplacements des produits, etc. Donc tout le monde est conscient. Il y a pas mal de trucs, si on revient à nos concurrents, la télé, il y a plein de choses qui sont censurées à la télé, il y a plein de choses qu'on peut même pas imaginer qui se passe à la télé, mais il y a personne qui dit, ah ben, on devrait supprimer cette chaîne parce que ça nous plaît pas, etc. Pourquoi parce que la personne, il est tout seul chez lui, il y a personne qui peut le défendre, il y a aucune loi qui dit que ouais, cette personne, il peut se défendre de son travail. Il loue le respect des droits de travail. Parce que il faut reconnaître que le YouTube, ça devient un travail. Ça devient un travail en plein temps. Avant, c'était juste pour arrondir les fins de mois, on va dire. Mais les gens qui gagnent l'argent sur YouTube, ils payent les impôts, ils payent les taxes. Donc, ils payent leurs droits. Je vois pas pourquoi on supprime la chaîne. Juste parce que, avec deux, trois clics parmi les millions, deux, trois clics pour dire, ah ben, cette chaîne, c'est hors droit, on va dire, par rapport à la signature.
Mais si on respecte vraiment la signature, il y a plein de vidéos qui devraient être supprimées sur YouTube déjà, que ce soit en Europe ou à l'étranger. C'est pareil, il y a des vidéos qui ne respectent même pas la chaîne, enfin les YouTube, et au final ils restent et ils continuent à avoir de l'argent. Pourquoi ceux-là ils sont supprimés? Ils sont pas supprimés. Pourquoi les gens qui essaient de dire la vérité, on le supprime? C'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire que qui essaie d'être correct sur YouTube, sachant que YouTube, s'il y a personne qui upload les vidéos sur YouTube, il y a personne qui il y a même pas YouTube, il y aura même pas de sens. Il y aura pas de sens d'être. Et pourquoi rabaisser des gens qui essaient de travailler? Il faut chercher que les gens ils travaillent pour YouTube. On n'est pas forcé de le faire, mais on travaille pour YouTube, pour rendre service à YouTube. Et donc voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que en tout cas vous allez que les gens ils vont plus en plus mobiliser pour dire voilà, ça suffit, arrêtez de nous prendre pour des cons. Les contrôles robots et tout ça, que ça s'arrête, qu'on contrôle réellement ce qui se passe sur YouTube. Parce que ce fut pas de 3 clics pour ruiner la vie des gens. Sachant que il y a des gens qui travaillent pour réussir sur YouTube, qui donnent toute leur vie pour réussir sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah après vous voyez comme vous voulez. Hein. Mais la jalousie, il faut arrêter. Moi c'est tout ce que j'ai à dire. Donc n'oubliez pas de liker, de lâcher un petit like, de faire partager comme d'habitude. Et puis pour toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, donc en revenant des abonnés, il y en a qui s'abonnent, qui se désabonnent, mais je pense que c'est YouTube qui s'amuse à faire ça. Voilà, moi j'aurais bien aimé que les notifications et tout ça ne soient pas enlevées, les j'aime ne soient pas enlevés, parce que je vois pas l'intérêt de faire ça déjà, décourager les gens à avancer vers l'avant, ça je trouve ça ignoble et enfantine. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao.